Konnichiwa, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale JLPT 4. Et ça y est, on rentre dans le cœur du sujet <laughs> puisqu'on attaque la compréhension de texte en japonais. Il s'agit des exercices qui valent le plus de points de tout le JLPT. Donc euh, là, c'est vraiment euh, ici en fait hein, où tout se joue euh, dans l'examen. Donc euh, moi, ce que je vous recommande quand vous passez l'examen... Donc là, on est dans l'épreuve 2, hein, spéciale euh, grammaire et compréhension de texte. Eh bien, je vous recommande de euh, partir de la fin, c'est-à-dire partir euh, des, justement des compréhensions euh, de texte et de documents, puisque c'est ce qui vous rapporte le plus de points. Ici, chaque question vaut 4 points. Donc vraiment, euh, prenez le temps de bien comprendre, quitte à rusher un petit peu sur euh, les premières questions qui ne valent qu'un seul point. Tout ce qui est particules, etc., ça ne vaut qu'un seul point. Donc c'est moins intéressant. Euh, voilà, donc là vous allez avoir, euh, ici dans cet exercice, vous allez avoir quatre petits textes avec une question chacun. Chaque question vaut quatre points, ce qui fait que tout l'exercice est noté sur 16. Je veux bien que vous me donniez vos scores euh, dans les commentaires, comme ça je vois un petit peu euh, à qui cette vidéo a été utile, et puis surtout si vous avez des questions. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me poser tout ça dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir du moment que je peux vous aider. Ce qu'on va faire pour cet exercice, donc à chaque fois, vous avez un texte, une question. Je vais d'abord vous montrer le texte, que vous ayez le temps d'en prendre connaissance, et puis la question. Le jour de l'examen, ce que je vous recommande de faire, c'est d'abord de lire la question. Comme ça, euh, vous savez un petit peu quelles informations vous cherchez. C'est pas la peine de lire tout le texte. Hein, franchement, c'est perdre un petit peu trop de temps. Euh, mais là, comme on est sur YouTube, on est obligé de s'adapter. Donc, euh, si vous voulez, vous pouvez cliquer pour aller d'abord lire les, les questions et ensuite revenir sur le texte. Euh, c'est vous qui gérez votre vidéo. Dans tous les cas, nous, on se retrouve à la fin pour décortiquer les réponses ensemble, donc voir quelles sont les corrections. Et puis ici, le temps qu'il faudrait, dans l'idéal, accorder à cet exercice, c'est 12 minutes. Donc je vous recommande de mettre une petite minuterie, un chronomètre à côté avec 12 minutes. Et puis, quand vous le sentez, vous pouvez lancer l'exercice. Je vous souhaite bon courage et on se retrouve juste après. Alors, comment ça s'est passé <laughs> J'espère que ça a été pas trop dur. On va corriger ensemble. Donc tout d'abord, euh, la première question, le premier texte. Ici, on avait... Donc là, ça peut être pas mal de lire euh, la phrase euh, qui vous donne le contexte. Comme ça, vous savez un petit peu de quoi on parle. Donc ici, on nous disait que sur le bureau de Ali... Euh, il y a ce post-it et un livre euh, qui, sont, euh, qui ont été déposés volontairement. Donc nous, on va lire ensemble euh, tous les textes, comme ça on aura quand même euh, connaissance de, de toutes les infos, et puis surtout si vous avez des questions, euh, si vous avez des choses euh, qui n'ont pas été bien comprises, et eh bien peut-être que je vais pouvoir vous les expliquer, et ensuite on va euh, répondre ensemble aux questions. Alors, on a donc ce post-it, ce petit mot qui a été écrit, où on nous dit... ありさ,さんから借りた本を置いておきます。ありがとうございました。ありさんが借りたいと言っていた本も一緒に置きます。重いので今日は2冊しか持ってきませんでした。来週他の3冊を持ってきます。石川 Alors, je l'ai lu un petit peu vite, vous pourrez euh, réécouter tranquillement après si besoin. On va euh, traduire euh, le, donc, chacune des phrases. Donc, ici, on s'adresse à Ali. Euh, le, le texte est signé Ishigawa. Et euh, donc, Ishigawa, il nous dit, euh, je, voilà, je te dépose euh, le, le livre que euh, j'ai emprunté, en fait, hein, que j'ai emprunté de, de la part de Ali, donc de ta part. Je te le redépose. Merci beaucoup. Euh, le, le livre euh, que, euh, tu voulais, euh, que tu voulais, que tu m'as dit que tu voulais emprunter, euh, je te le pose avec. Alors il y a peut-être un livre ou des livres hein, d'ailleurs. Euh, pour le moment, on ne sait pas parce qu'en japonais, il n'y a pas de singulier pluriel. Comme c'est lourd, comme il est lourd, ou ils sont lourds, euh, aujourd'hui, je ne t'ai emmené que euh, deux exemplaires. Donc ni satsu, satsu, c'est le compteur des livres. La semaine prochaine, je t'en emmènerai trois autres, trois autres livres différents. Voilà. Et la question c'était Ishigawa-san wa nani o suru Donc Ishigawa, la semaine prochaine, euh, qu'est-ce qu'il a dit qu'il ferait, qu'il ou elle ferait Donc les quatre propositions, nous avons alice ni hon ni satsu donc il va retourner. Euh, donc les livres qu'il a empruntés, hein, il va rendre deux livres à Ali. Donc, ou bien San Satsu il en rend trois. Ou bien Ali san ni ni satsu kashimas. Donc il va prêter deux livres à Ali. Ou bien il va prêter trois livres à Ali. Donc en fait la question c'était de savoir. Qui a combien de livres et qui prête quoi à qui C'est vraiment ça ici que l'on recherche sur Raishu. On s'en fiche de ce qu'ils ont fait aujourd'hui, la, la semaine dernière, etc. On veut Raishu. L'information, elle est là. C'est uniquement la dernière phrase qui compte. La semaine prochaine, je t'en emmène trois autres. Donc trois autres livres. Ce qui fait que la bonne réponse, c'est la 4. Il prête trois livres à Ali. J'espère que vous avez bien compris cette histoire. Sinon, j'espère que mes explications vous ont aidé à comprendre. Et puis, euh, s'il y avait d'autres choses, eh bien, vous me demandez dans les commentaires. On passe au texte numéro 2. Alors, cette fois, l'information qu'on a, c'est... Donc, à l'entrée d'un parc, il y a cette... Euh, cette annonce, donc aussi là c'est c'est une information, une annonce. On va lire ça ensemble. On nous dit :« Coende asobuto kinosui ». Donc ce à quoi il faut faire attention lorsque l'on joue dans le parc. « Koende aiteiru jikan wa gozen rokuji kara go go desu. Kore no jikan wa donc le parc, les horaires d'ouverture du parc, c'est de 6h du matin jusqu'à 9h du soir. En dehors de ces horaires, on ne peut pas rentrer. Les vélos et les euh, mobilettes, euh, on doit, vous devez les garer à l'entrée du parc. Il est interdit de les insérer, de les mettre dans le parc, donc de les faire rentrer dans le parc. À l'intérieur du parc, les choses suivantes sont interdites, donc il est interdit de faire ça et ça. Le fait de jouer en utilisant une balle, donc les jeux de balle sont interdits. Et le fait de fumer euh, des cigarettes donc fumer est interdit dans le parc voilà pour les infos qu'on a maintenant la question c'était donc en se référant à euh, cette euh, cette annonce euh, qu'est ce que l'on sait au sujet du parc. En fait, quelle information est-ce qu'on apprend au sujet du parc Ce qui fait qu'il y en a trois qui sont fausses et une qui est vraie, puisqu'il n'y a qu'une seule bonne réponse. On nous proposait On peut, on est autorisé à rentrer dans le parc à 10h du soir. Donc ça, si on se réfère aux horaires du dessus, on a vu que c'était faux, hein, puisque puisqu'il euh, ferme à 9h. Donc on n'a pas le droit de rentrer à 10h du soir. Il est interdit de garer une moto, une, une mobilette à l'entrée euh, du parc. Donc c'est faux, puisque justement on nous dit qu'il faut le faire, il faut garer les, les mobilettes et les vélos à l'entrée. Il est interdit de s'entraîner euh, au foot. Donc comme les jeux de balles sont interdits, effectivement c'est vrai. Il est interdit de s'entraîner, on ne peut pas faire de foot dans ce parc. Donc, a priori, c'est la bonne réponse. Tabaco temo ides. Il est euh, autorisé de fumer des cigarettes. Ça, on a vu que c'était faux. Donc, la bonne réponse, c'est la 3. Ici, vous pouviez euh, vraiment procéder par élimination euh, si jamais vous aviez un doute. Et puis, euh, là, en fait, vous pouviez tout simplement repérer les mots-clés. Donc, en lisant d'abord la question et les propositions, vous allez vérifier les choses. Est-ce que 10h du soir c'est autorisé Non, on le voit tout de suite. Est-ce que l'histoire des motos c'est autorisé euh, Ben du coup, enfin est-ce que c'est interdit euh, Du coup, on voit que non. Etc. Vous pouvez vraiment rechercher par mots-clés. C'est ce qu'il faut faire quand vous êtes dans la compréhension de documents. Il faut vraiment scanner le document. On ne vous demande pas de tout lire et de tout comprendre. Vous n'avez pas le temps de faire ça. il faut vraiment scanner et rechercher les mots-clés. On continue avec le troisième texte. Donc cette fois, on nous dit. これは山田先生からトムさんに届いたメールです。生からトムさんは届いた30日の約束ですが、会議に出なければならなくなりました。それですみませんが、約束を30日の午後3時に変えられませんか Yamada. Donc là, c'est pareil, on va euh, traduire ensemble, mais le jour J, euh, vous ne recherchez que l'information qui vous intéresse. Donc c'est adressé à Tom, et euh, le ou la professeur dit, euh, donc demain, le 30. Euh, au sujet donc de notre euh, rendez-vous hein, euh, de demain, euh, il se trouve que maintenant, je dois euh, me rendre à une réunion. Donc, euh, avant, ce n'était pas le cas. Mais là, euh, maintenant, le professeur doit euh, aller à une réunion. C'est pourquoi, euh, je m'excuse, mais euh, est-ce qu'on peut changer euh, Est-ce qu'il est qu serait possible euh, de changer notre plan initial pour euh, le 31 l'après-midi à 3h. Donc si euh, pour toi c'est OK hein, si euh, ça concorde avec ton planning, euh, je t'attendrai dans euh, le, le bureau office et euh, si, euh, si tu lis ce mail, euh, merci de me répondre. Yamada. La question c'était Tom-san wa Yamada-sensei ni nani o shirase nakereba ka? Donc Tom Qu'est-ce qu'il doit, euh, de quoi est-ce qu'il doit informer, laisser savoir, hein, informer euh, le professeur Yamada Donc, quelle est la bonne réponse parmi les quatre Donc, le, le rendez-vous, est-ce euh, qu'il peut, oui ou non, le faire changer à demain Donc ça, c'est pas bon, puisque le rendez-vous initial, il était demain. Nous, on veut savoir est-ce qu'il peut le changer à après-demain. Donc là, du coup, vous l'aurez peut-être deviné, mais c'est la bonne réponse. Est-ce que oui ou non, il peut changer le rendez-vous à après-demain Donc ça, c'est bon. Et on va lire quand même les deux autres. Euh, comment ça se passe, en fait, pour lui demain après-midi Est-ce qu'il est, qu est dispo ou pas Donc ça, on s'en fiche, puisque du coup, le, le prof n'est pas dispo, il va en réunion. Et puis, tomsa no Asate no Gozen no tsugo Donc là, faites bien attention, il y avait un piège. Donc, euh, est-ce qu'il est dispo ou pas de, après demain matin Faites bien attention au candy. Donc, la bonne réponse, c'était la 2. J'espère que euh, vous l'aviez. Et sinon, j'espère que maintenant, c'est un petit peu plus clair pour vous. On va terminer avec le texte numéro 4. Alors là, on n'avait pas de contexte. Hein, on était directement euh, plongé dedans. ののこの字、石田さんは川下図書館で働いていてます。本についての相談を受けたりどこにどの本を置くのがいいか考えたりします。それから図書館の新聞に良い本の紹介文を書いたり小さな子どもたちに絵本を読んだりします。 Donc on parle de Ishida-san, il ou elle travaille dans la euh, bibliothèque euh, Kawashimo, il ou elle euh, reçoit en fait des, des demandes de conseils au sujet des livres et euh, il ou elle réfléchit au, euh, à quel endroit, où est-ce que c'est le, le mieux en fait pour euh, reposer les livres. Hein. Donc quel livre va à quelle place, euh, c'est son métier. Et puis, en plus de ça, après ça, il ou elle écrit des textes de présentation ou des phrases de présentation sur les bons livres, les livres qui sont bien, dans le journal de la bibliothèque. Et il ou elle lit des livres d'images aux petits-enfants. La question, c'était donc « Ishida-san no shigoto dewa nai mono wa dore donc là, ils ont bien souligné pour vous montrer. C'est shigoto wa Qu'est-ce qui ne fait pas partie de son travail hein Quel, Laquelle de ses tâches, euh, c'est pas son boulot Donc les trois autres, c'est son travail, mais il y a un intrus parmi les quatre propositions. Il faut le trouver. Alors, on va regarder est-ce que c'est vrai ou faux. Donc là, on nous dit Ishida euh, présente... Euh, enfin fait la présentation quoi au sujet de livres euh, à des personnes qui sont venues demander conseil donc a priori oui puisque du coup euh, conseiller des livres hein, euh, ça fait partie de son métier de, de bibliothécaire le 2 donc Ishida réfléchit au, euh, à savoir où est-ce que ce serait bien, en fait, de poser les livres Donc, quel endroit euh, est le mieux pour déposer les livres Donc là, c'est pareil. Euh, ça fait partie du métier d'un bibliothécaire que euh, de ranger les livres au bon endroit. Donc, ça, c'est bon. Ishida-san recherche des euh, phrases ou des textes de, de présentation, des bons livres qui sont parus dans les journaux. Là, même si vous ne connaissiez pas l'expression qui veut dire donc paraître dans des journaux, euh, ici on avait quand même le verbe sagasimas chercher et on nous parle pas du fait qu'il ou elle cherche euh, des, des phrases de, de présentation, euh, donc des, des résumés en fait de livres. Hein. Euh, donc du coup, a priori, c'est notre intrus. On va vérifier avec la 4 "Tisana kodomotatini." Il ou elle lit euh, plein de, de livres différents, euh, des livres d'images aux petits enfants, donc ça on a vu que c'était correct, c'est la dernière phrase, ce qui fait que l'intrus c'est le numéro 3, c'était donc la réponse que l'on attendait. Voilà pour ce nouvel exercice. Euh, J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Si ça s'est pas très bien passé, c'est pas grave, vous avez encore un petit peu de temps avant euh, l'examen. Euh, si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'accompagnement euh, dans votre apprentissage du japonais, toutes les informations sont euh, dans la description. Si vous voulez euh, prendre euh, des cours avec moi dans ma formation objectif, soit japon, soit JLPT4, euh, tout est là. Et puis, euh, bah, sinon, je vous souhaite un très bon courage pour euh, passer l'examen. À très vite, bye bye.